Na mois de septembre, tozali na ba date historique. Date ya liboso, le 10 septembre 1921. Tokosenga na maman Stéphanie aya kotangela biso discours ya papa Simon Kimbangu le samedi 10 septembre 1921 à Mbanza Sanda pour tozongisa makanisi na maye oyo alobaki na mokolo wana. Un enseignement des filles de Simon Kimbangu. C'était le samedi 10 septembre 1921 à Mbanza Sanda. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9h, Kimbangu entre dans l'enclos en rameaux, son visage est grave. Son regard vif et il s'adressa à la foule en ces termes. Mes frères, Zipangizami, l'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Retenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant, Peviyabata Tanzambiapu Mutulengo, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'accomplis, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne, Kinsunikame, sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle, Kimpevekiame, se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde, des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples Congo, Kula Mikangu Nyakongo, et la race noire du monde, Zindombezazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des hommes. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements, Miyandi, de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs, contaminés. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, Kinzaï, pouvoir scientifique, Kimazaï, et pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la Terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus apporter ce livre et les écrits ou les principes moraux contenus dans ce livre. Il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé.
nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel seront écrits des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Un Longhi, instructeur enseignant, viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ce Longhi, qui préparera les peuples congolais? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Wena Wakalunga. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements, des principes moraux pervers du monde européen. Mavanga, Mambisi, Poutou. Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain, Kangua Bantu, une langue qui sert comme d'une alliance de communication, Dinga Wambila. Préparez-vous à la prière, alors prions. Prière à vous tous les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous les sept anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous, notre Dieu créateur, Bumba Loa. Prière à vous, notre Dieu gouverneur de l'humanité, Inanza. Prière à vous, tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, tous les anges qui gouvernent les eaux et les feux. Prière à vous, le grand esprit Congo. Prière à vous, tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous, tous les anges de la victoire, Basiza Nungu, qui luttent dans les quatre coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète trois fois. Faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider les peuples du Congo. Je vous le répète encore trois fois. Et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implorerai mon Père Créateur afin qu'il pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais gare à ceux qui vont se servir des couteaux, de flèches, de fusils, de poisons et de la sorcellerie d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple Congo. Ce genre de truands, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient Baluba ou des Swahili, ces esprits des ténèbres, Beveza, Muzimbu. Je le jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le demande et je le commande à vous, tous les anges des cieux et de la terre, de mener un combat pour le progrès humain et divin. Eveza Temo Wambatu. Je le répète encore trois fois, devant les cieux et la terre, gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les quatre coins du monde. Venez, ô Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre, Mbasizam Vita, afin de conduire un combat contre ce monde des ténèbres, dit Yaboub. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme
et la colonisation des peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant. Je vous implore sans cesse. Yetiku Fiongo Nena, au nom du sang versé par tous vos envoyés et de leurs humiliations. Je vous le demande et je vous le recommande, ô Dieu d'amour, Kalunga. Venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres. Mahamza Makibubu, qui continue à se moquer de votre amour majestueux. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe, Vitayaboa Diakaku Putu, pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Que votre alliance soit sanctifiée et bénissez les peuples Congo et la race noire de toute l'humanité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Na comment tata moi en fait tata mon santo. Tout lundi discours il y a papa Simon Kimbangu. Il y a le 10 septembre 1921 dans Mbanza Sanda. Pour notre discours Oyo Eza et Bélé. Batumsusu basale la ou même ba conférence. Ba comme la ou même ba mikanda. Mais na mukola lelo biso tuningi to lobela likambo ezotala directement biso ba jeune awa na Europe. Eza na paragraphe moko papa Simon Kimbangu alobi la génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert d'une alliance de communication. Likamboyo ezotala biso ba jeune oyo ezali awa na poto. Eza na makambo misatu oyo ezali lokola ezali etumbu te. Ezali avertissement. Parce que, oh, ils allaient prophétie. Papa Simon Kimbangu, à l'obaki en haut, en 1921. Mais, ils allaient kolobela, makambo oyo, ekoya sima. Donc, ekoya na tango na biso. Ye alobi na 21, mais, ezo kokisama, na tango na biso. Or, biso toza déjà na discours wana. Eza lokola ba chauffeur. Omona ba yebisi yo yo ozo kende na Noisy le Sec. Ke ba place moko na se ya pon wana radar ezali. Ko kende vitesse te. Donc souki ou l'équipe place wana ba flashe yo parce que okende li vitesse. C'est que aux araki maïe l'été, aux araki na attention te. Nenge biso tozali. Papa Simon Kimbangu alobi, na tangi koya. Ba jeune. Ba kozana na makambo oyo. Zanga koyeba minoko. Ya. Tata.
Ça, c'est un. De deux. Bakozanga koyeba. Bokoko na bango. Donc, Makamebele. Mais Papa Simon Kimbangu a insisté na côté ya Bala. Et à l'obi. Koyeba na kondima bizaleli etambuli Lili Yamabe Yamindele Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Question autre aux Alanango, les lots. Avant que tout tout la question, on a tout à la ce qui m'a camboyo, misato, et au cocana, n'andenget aux alibouis. Bisoto le barake, Papa Simon Kimbangu, a tout à tolo, Togotika l'analingomba moko. Monoko moko, mokonzi moko. Pe monoko moko. Pe monoko moko. Biso nyoso, tozali ba Congo. Nani kati na biso, ayebi ki Congo bien, apa papa goti. Pami se la kite? Ayebi me malamu malamu. Maman lobi ayo kaka me lo bagate. Yebi kenta ke la sukate. Donc qu'est-ce que biso nyoso ko lo ba boyer et à moi face. Papa gouda tara iko na Besançon. Bon, c'est que déjà bikamboyo ezoko 44 na biso. Bon. Ozanga koyeba bokoko na biso na oyetali ndenge to balanaka na lobi awa elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres ndenge tozalaki ko balanaka la na bokoko na biso nanya ko tout a toloke ayebi pinza bokoko ndenge tobala na ka quel que soit ekolo na yo peut-être un binon batu botami kuna na Afrique mais en tout cas na biso eza mon boulou même ata biso to botami na Afrique mais ba ba lacune eza muke muke on le maîtrise pas vraiment totalement ma balawana c'est pas ça dans quel sens alors le sens y a famille c'est ça c'est le sens il y a bas clan et tout ça en tout cas n'importe quoi que surtout biso bato to botamina Kinshasa pour une semaine nga so que tu n'inga y l'ouvrir nga hein donc j'aurai des problèmes de n'importe quoi bas coco je connais pas bon je connais que coco oyo as approche à tata nga le reste là ça m'intéresse pas.
Voilà, c'est un problème avec Chassa. Parce que je peux vous donner une question. Non, pas si bon. Non, comme mais comme la société. On a eu bien dingue de huit ans, on a dingue de huit ans, on a les cas des hommes à jugement, où il y a clan à biso, on a eu bien dingue de huit ans, on a titué, on a dingue de huit ans. Ah, c'est bien, papa. Ah, c'est bien. Papa Simon, maman Fodipe. Donc, les timi balé sur combien? Maman Sabine. Maman Sabine Paye. Il y a ceux qui ont le vin à Yébi en totalité, peut-être pas trop, mais au moins, la Yébi Ningi hiérarchie, en fait, Ningi, Bakoko et Abisso, Ningi, Maman et Aboti, Maman Nanga, Ningi, Bassé, le Tova qui est en Angola. Bon, il y a Tata pas trop, mais il y a Maman Dena Yébouniba. Donc, ça, c'est-à-dire, Ningi qui est surtout nous. Koyeba, Koyeba, Loufina, Nayo, et Zali Kamsous. Koye balouvi la na yo, et ça m'a kamsousou. Biso fait toye balouvi la na biso. Mais, nenge yako bala na. Parce que lelo toza na difficulté. Po anini, si j'ai oyo, et za bien. Lelo yo, toko vanda boye, nenge toza la ba, na pe sa va mingi exemple ya faki, puisque naza na faki. Génération moko, toko miko bala na. Tokomi ko bala plutôt. Mais au moment là, Muninga ake a su fiancé. Ake na famille, y a fiancé, Makambu, ezul le kandenge msusu. Yope okeyi, a su fiancé, Makambu, ezul le ka, na ndenge msusu. Ndenge msusu na ndenge ni. Ba démarche, e goza na ndenge mon côté. Kuna fwa koma mukanda, kuna mukanda ezate. Kuna oyoka ba montant ezaya makasi, ba groupe électrogène koti na liste, makambe bele. Kuna ezana nguka ka symbolique. Ba monter la train. Ba monter la train, ta makambe. Donc, ezana mwa passe. Po anini, parce que soki ba oye ba zo sala, ba liste wana to ba nzonzi ba zo sala makambo o izo ko kanate c'est que quelque part to zo zanga ko yeba parce que ce qui ba différence e koza la entre bikolo mais lo sansu fo izala quand même moko parce que na époque tang ba koko ba kanga ki ke non to bala na boye ezala ki pour na kotia kimia na kati ya société ezala te ning tozo mon a lelo na biso ba jeune yakato vanda je présent le kambwana na kokoloba na kokoba kisaka par rapport à idée na yo certes procédure et pas na biso na Congo eza na kono boneti ndenge moko mais la différence est comme si ko na à l'époque papa c'est moi qui m'a ngonga lobela ki Nandini papa tekte na tolo bake biso to koli to tolo bane to botami na kisasa to kona kisasa do ba principe wana ezoko kana te na époque mais ezal likambo moko oko se présenter na babo na biso mibali hein oko se présenter na famille ya mwasi oko ste oko senga no boko ya mwasi oko mwa mukanda ba ko pesa yo réponse boko kota ba ye ba bino après bolegi na ba prodo ne to sukisaka na lingomba ndengo lobi par contre ya ndengo lobi ke libala le comme quand ya to faire abiso wana siko échanger critères et comme il y a vie sociaux mais les principes est quel gaka yango mon pour même pas lelo na kata Kinshasa ba o pet bot sur ba mingi Kinshasa po tibi mingi wana même ataba o bazepe ozo ke ndepe libala ya to faire abiso mais na mituna ba kontang ba zo vanda ba yibi ke c'est pas la procédure. Biso siko tuza na poto siko awa. Biso nde mutu tuzo change ba principe oyo mingi. Ke ba oyo sana mboka. E biso to lubaneti toko lubaneti a general. Biso ba kimbangiste tuzo meka. Paske le commandement se la. Na ba o baza ba kimbangiste. Tiza dire ne tinga na bali seki nye si nga ne pase. Donc za ki pena ke ba boklo wana kuna na porte. Biso awa. Bango na oya bango. Biso na oya bango. Nyesi na msusa bali ba Congo Brazzaville ezalaki pe ba msuna 5e étage ba msusu
na rebe soki wapi mais culture ya nzambe c'est posaka kaka donc tant que noko et des familles wala na bolimba tata nzambe sala kike ko kwaye ko vanda na laksa ki ona ko ko laksa ndenge kwaye ko zalela et ba belle famille ba dans le banet ba bo kilo ils sont déplacés parce que la théa qui beau fils nanga mais c'est que nous ils ont la boyer 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 ceux qui vont saler les boyer nzambe a kota le boko et ils ont suivi ils ont qui ma tata mais et bonga ki nango ceux qui papa Simon Kimbangu a loba ki on peut ba ki ke à la longue les critères oya lobela ki ke toko to sali sous sauté toko bosama parce que il veut que vous avez mis sur la vie sociale. Exemple, voilà. Exemple, mon papa Mbenza Lobaki, n'a retenu que mon casse. A tout ni papa Yangenda. Ah, papa, il y a un papa qui a 5 mois. Il y a un cambio qui a été fait. Il y a un cambio qui a été fait. Mais dans le monde, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rien. Papa Yangenda fait que bon. Batu bako tonda awa na nkamba po na circonstance oye kwa yala mokini. Sto, circonstance. Doye ono sozo mwona ya pasi, ya nini. Me biso baki magi sozo uta poto futi tiko kede seme na nkamba. Me soko tena ba fami bantu na ndimite penda ke muta kuku uta poto a kede seme na mboka na village natal na bako. Je sais pas. Na namona na yo kite. Ils ont là-bas au Congo, ils ont là-bas même dans Kinshasa, on a qui dans Kazangulu deux semaines na yébité. La majorité de la communauté, souvent on est dans Kinshasa, on va les trois semaines, un mois au Ké Brazzaville ou au Ké Luanda, mais dans un village vraiment, na yo qui n'ont été. Mais biso ba kimbangi, c'est au moins racine wana, tout ça dans mon âme. Au bout de peine d'être pour tout, tout au bas des jeunes dans l'année à l'élo, au Ké Pinkamba deux semaines parce que tout ça dans racine wana. Mais les autres non. Au monde, c'est-à-dire, ndenge lobani tata lobaka kena libota libota nzama pona ka molobeli biso papa Simon Kimbangu alingi batu mwindo nyonso mais ya za molobeli na biso il nous a montré d'avance ce qui va arriver les lots. Na likambone c'est vrai tout ça partagé. Mais tant to kokoma biso nyonso na langage moko. Na langue moko les principes wana ya libala et kokokala. Parce que nous avons le principe que le papa Simon Kimbangu a dit que ça, 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 ça. Parce que pour nous, on va à l'église, c'est la procédure. Mm. Est-ce qu'on va dans la famille? Oh oui. On va dans l'État? Oui et non. Ceux qui non, parce que les conditions sont les mêmes. L'équité. Ceux qui oui, tant mieux. L'église, a on va condition la bien sur la balle, c'est bien. Mais il faut me sauter. Merci pour l'intervention, Papa Michel. Mais il faut y avoir une chose. Il y a un autre qui dit que. On a commandé l'ingala. Pas pour ça, tout le monde a mon gongo, parce que je suis bien. Bokoko. Bokoko. Ce qui est petit en haut, peut-être en français, les alliés culture. Et culture est un ligne. Culture est un ligne. Héritage. Héritage des ascendants aux descendants. Descendants sans le consentement. Je m'explique. Culture, c'est l'héritage des ascendants aux descendants sans le consentement des descendants. Ça veut dire quoi ?
bokoko ezali oyo tozwaka na bakoko sans consentement na biso, c'est-à-dire yo botami na 60 na 65 okuti mokili ndenge ezali okolanda kaka sikoyo soko lobike o changer génération na bino a bo changer nzela bino kaka mais oyo bokuti bokuti yango bokuti langue bokuti ndenge baspect nyonso y compris vie sociale et na vie sociale oyo papa Simon Kimbangu azolobela bazaki na façon moko ya ko vivre oyebi ke mwana na yo oboti ya mobali akomi na age boye akomi na age ya kobala po société na bino ezala bien social ezala bien evanda bino bakoko obotie ba règle po famille nyonso azala na kimia papa Théo. Oui, je l'entends. Merci beaucoup. La boko corona papa papa Simo Kimbangu azo le belabiso. C'est vrai. Kozanga koyé ba minoko ya batata na bango, c'est normal. Lelo oyo le Israël qui événement a lancé qui un défi de façon que lelo ba jeune na biso la plupart ba bi minoko et ba parents na bango té. Tout joka ba to poto té mais partout même ba to biso ba to na Kinshasa, c'est difficile que na le ba minoko tata na nga. Na yo kaka me koloba na mona okipe tenga bia raisonnete na zo ko me gêner quoi le lendo ezako le lendo surtout pour na bokoko bokoko za ndeni bokoko ndengo lobi culture héritage c'est à dire ndebo ba ke mwana apola ka ba parenté parent boboti mwana na la culture na bango na mariage ne auto le papa présent tant na kala ba boboti na biso bazako bala. Moi, na mobali akopona mwasi ye mokote. Ba parane bakopona le mwasi. Tango moi na mobali akomi na un certain âge, déjà basi bakopona ki mwasi na famille telle. Ozo komona, na kozo exemple. Papa, tu peux attendre 14. Okomona ke net na biso. Il y a une culture, bantou. Tout ça passe dans RDC. Au moins, ba Congo, Bandundu, ba na culture na bango. Na ba mariage coutumier, bo koko ezalenge moko. Alors, on exagère comment? Na vie sociale comme passé comme makasi, ba comme ko exagérer à moins na ngaza universitaire, moins na ngaza libre. Ya ngo net siko biso na poto heureusement, tout ça na papa Ntsiangani, na papa Motemuzila. Par exemple, il y a un livre wana, hein, le mariage coutumier. Pour nous recadrer. Pourquoi? Parce que tant que nous avons fait la bise de Congolais, nous avons fait la Belgique, parce que nous avons fait la Belgique, Belgique, ba Congolais, ba Congo, mais nous avons fait la mais la culture est la moko. Nous avons fait la Congo, mais pour l'excès et la modernisation, nous avons fait la mais ce qui est par exemple la Kassai, la culture est la culture, ba Congo na bandundu. Parce que dans la culture, il y a une culture. Si on est dans le Bangala, par exemple, dans le Congo, Moutou, Alia Kambongo Ming Ezali, Tata, dans le Congo. Mais ceux qui ne sont pas les plus dans Noko. Tu vois la différence dans le Congo. Parce que Noko est Kolo Moutou, Kolo Moana. Mais dans l'Équateur, Kolo Moana est Tata. Comment est la différence? Alors, si il y a une procédure et un mariage, c'est ce qui donne la différence. Mais en pensant dans notre papa, c'est le mariage est un symbole. Il y a un symbole. Famille, on a famille, bon, ah, bishop, ah, papa Olivier a poli. Ah, bon, il faut pour les moi. Surtout encore, qui était au moment de Bissingombe, Baba, on a Bango. C'est ce qui pose problème dans la carte église qui m'a. C'est ça le grand problème. Au moment de Oyo Kokoya, Oyo, Oyo Kokoya, Oyo Kokoya. Ce n'est que dans l'église qui m'a dit, c'est dans Saint-Ouen. C'est votre bisignon écarté. Baza bande roba wana. So mona, na sala étude na ngawana, na tal bango tout baza bande. Pourquoi? Parce que boko kinga goûté que yé a tené musika. Donc il faut balaka na kati ya pona ko batte là. Bot. Ki nous singu na bango, nzete na bango. Mais na devant te commis
monde, c'est difficile. Non, enseignant pas si mon bango, n'est pas monsieur à l'objet. On a quand même pas ça à l'égrenaille. Mais on est toujours évolué. Je vous donne encore l'exemple. Arrêtez un peu, s'il vous plaît.